T'as l'air d'une cosmonaute. Hein. On voit que tu nous as fait bien la bouffer hier. Oh, je t'aurais déjà revendu. Je t'aurais revendu, qui dit. Yan ang ginagamit pag pag harvest ng mga honeybee. Parang pupunta sa ano sa Mars. On va mettre deux hein, parce que qu'on soit pour emmerder que ça s'arrête pas en cours. Ça serait vite. Alors, voilà. Voilà. La démo. Attends, ça va rentrer dans l'ordre. Alors là, ça marche. Bon, moi, j'y fous toujours un bouchon d'air fraîche, comme je te disais, parce que là, la fumée, elle est très chaude. Enfin, encore là, pas trop. Mais des fois, il sort même des flamèches. Ah oui, alors quand tu mets du granulé, il sort même des flamèches. Alors, on met, tiens, tu vois, ça s'en était un. On met un bouchon d'air frais, tu vois, des plumes, comme ça. Ça, faut toujours que tu. Toujours que tu. Et ça, tu vas jamais. Faut que tu maîtrises bien l'enfumoir, tu vois, parce que tu vas jamais tripoter la ruche. Ça, c'est le moyen, c'est la sonnette, si tu veux. D'accord. Tu vas voir comment que je fais. T'ouvres pas, ou alors pour une intervention spéciale, tu vois, ça, tu remets ça par-dessus. Mais bien au-dessus de la boue. Voilà, de préférence fraîche. L'herbe fraîche, l'herbe, il n'y en a pas beaucoup de l'herbe fraîche. Des fois, l'hiver, oui, l'été, un peu là, ouais. L'été, t'as du mal à en trouver. L'herbe fraîche. Et ça, c'est. Voilà, tu rentres pas chez quelqu'un sans taper à la porte, bah là, c'est. Là, c'est l'enfumoir. Voilà. D'accord ? Alors après, tu fais marcher, parce que des fois, ce qu'on a là, il sent pas en fait. Quand t'as bourré tout ça, t'as plus qu'à. T'as plus qu'à recommencer. Ouais, après, il va démarrer. S'il est pas pris, il va démarrer. S'il est pas pris, bah, il démarre. C'est comment ? Pour ça, faut. Faut démarrer. Alors, des fois le temps que tu t'équipes, des fois tu mets 2-3 fois pour démarrer. Perdu, t'as perdu une plante. Ah bah, faut pas moi. Moi, t'as perdu, moi d'un ruchet, nous d'un, avec mon gendre, d'un ruchet à l'autre, je le comment, j'arrête pas moi si tu veux, on le laisse dans la bagnole, on tousse comme des furieux, mais ça fait rien, parce que sinon, quand tu fais une intervention, t'as intérêt de faire plusieurs choses d'un coup quoi. Que si tu vas 10 minutes pour voir une ruche, après 10 minutes pour voir une autre, toi, moi en principe, quand je fais quelque chose, c'est voilà. Aujourd'hui, je viens avec vous, c'est pour vous montrer, ça, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans, tu comprends? Voilà. Alors, on met bien tout, hein. Naturellement, moi, comme vous. Hein. Ah, faut que je mette ça aussi. Ouais, tu mets ça. Tu mets tes gants, c'est pour pas que tes gants, tiens. Tes gants sont par terre, tu mets tes gants, vas-y, dépêche-toi, après on y va voir. Ah, dépêche-toi, non, pardon. Mais équipe-toi bien, je veux dire. Voilà. Moi, tu vois, j'ai les chaussures de sécurité. Des fois, je suis imprudent, moi, je ferme même pas la capuche, mais je me fais rincer. Putain, puis ça y est. Moi, dès que je mets la tenue, tu peux être sûr, j'ai envie de pisser. Ah, ben, ça, si je bois un café, ça, c'est sûr. Ah, ben, ça, je pisse deux, puis. J'en ai pas trop besoin. Si j'en ai besoin maintenant quand je regarde pour te montrer bien le couvain frais et tout ça, tu vois. T'as des lunettes toi? Non. Tu vois bien clair? Ouais. La chance. Ça marche ça ou pas? Ouais, c'est bien parti. Bon, on y va les cocos. Et la tête, c'est où? Là. Pour mettre sur ma tête. Ah, c'est derrière. Là, l'attacher sur quoi? Ah oh, merde, j'ai pas vu. Alors, non, mais ça passe. Ah oui, d'accord. Tu rentres ta tête là-dessus, voilà. Et puis là, tu fixes bien ça. Voilà, bien t'attacher. C'est beau comme un astre. Ah, t'as ça? Ça c'est le cadre américain. Crois. Ah d'accord, ok. D'accord, tu vas comprendre. Tiens, ça prends sert à quoi là de tournevis? C'est pour soulever le cadre. Et puis t'as ça, c'est un cadre à bec. J'en ai racheté un, je l'ai perdu. J'avais le même et puis comme je le trouvais bien, j'ai jamais pris un. Et comment t'appelles ça? Un lèvre-bec? Un lèvre-cadre à bec.
Mais... La différence entre les deux. Bah regarde. C'est pas les mêmes, le gars, oui. Là, t'as un lève-clap traditionnel. Il est bien aussi. Voilà. Celui-là, il a, tu vas voir, quand tu soulèves les cadres, il est des fois pratique. D'accord. Bon, c'est le même, hein, c'est un inox. D'accord. C'est juste pour te montrer les outils. Quoi. Bien sûr. Bah, c'est tout simple. Cool, hein. Bah, l'apiculture, c'est beaucoup de la débrouille. Hein. Y a, c'est pas. Non, puis maintenant, les mecs, ils ont dû trouver des outils que les vieux n'avaient pas et qui font du chier. Alors, que tu penses pas mal. C'est pas un parfait bordel. Mais... C'est fermé. Non. Oh, ça ira bien pour ce matin. Allez hop, c'est bon. C'est plutôt avec vous, moi je m'équipe à fond parce que le problème des fois, c'est le temps que je vous explique quelque chose ou quoi, tu vois, moi je sais faire tac tac, je referme, j'ouvre, je referme. Mais là tu vas faire la petite de temps. Non, mais c'est pour vous montrer quoi. J'ai pas perdu du temps, mais j'aime bien. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va où alors? Les deux premières, là, ça me donne. Et derrière, t'as pas mis tes deux là. Ah merde. Bah ça va. T'es sûr? Non, mets-le. T'es prête? Oui. Eh, ton gant là. Ah, t'as pas de gant là? Non, comme ça là, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Tu veux pas une paire de gants? Mais une gant, mets des gants, je vais me faire engueuler, moi c'est pas mal. Bon, il y a des gants, Michel. Non, c'est pas des gants, ça. Ouf là. L'orientation du aimé devant ta peau. Ah, il n'y a rien. Elles sont pas montées dedans. C'est parce que tu sais pourquoi il a mis une hausse pas construite, regarde. Tu vois? Il a mis une hausse pas mais, juste. Elles sont pas. C'est pas operculé. Et lui, ça a essaimé. Alors, le problème, il y avait des colonies. Il a laissé essaimer. Donc, si tu veux, voilà. Il n'y a rien. Pour être méchant, il n'y a rien. Attends, on va passer à la vitesse supérieure. Itong box na to ay para sa mga honey na kung sanay dito sila gumagawa ng para sa mga bees kung sanay dito sila gumagawa ng honey. Ayan. Ayan, ang dami ng mga tumilipad-lipad na bees. On dirait que c'est... Tiens, regarde les miennes, là. On attaque. Alors, là, j'ai vu que ça rentrait du pollen. Il y avait une abeille qui rentrait du pollen. Je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. Là. Là, tu vas voir, c'est pas la même, il y a du monde. Oui, il y a beaucoup. Il y a du monde et c'est operculé. Donc ça, c'est bon à récolter. Là, tu me passes ton lève-cadre? Le abec, abec. Tu vas voir. Tu vois, voilà. Là, c'est operculé. Là, bah, y a du monde. Non, pas trop. Hein. Non, c'est calme. Hein. Ah, ça sert à ça. Elles sont en dessous. Elles sont en dessous. Par contre, ah, ça, oui, voilà. Oui. Ça, c'est plein de... Ouais. Tiens, vas-y, prends dans tes bras. Vas-y, Cindy, tu fais une photo. Ça, ouais. Tu sens comme... C'est lourd, putain. Voilà.
Moi, je vois pas bien parce que c'est la lumière, oui, c'est celui. Oh, il y a du lourd. Oui, c'est bon, c'est bon. Enfin, c'est lourd, quoi. Ouais, il y a, alors là, ça, miel, là quand tu regardes, il y a de la jeune abeille. Il n'est pas operculé, là. Ça veut dire que normalement, il n'est pas encore... Ça, c'est operculé, là. Là. Ouais, voilà, là, c'est operculé. Là, voilà, t'as un faux bourdon, là. Tu l'as vu? Oh, merde. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer après. On va en ouvrir une, d'accord. On va en ouvrir un corps. Tu vois, ça a continué de charger. Ça va être bon à extraire. Là, parce bientôt. Que là, c'est chargé en bas, là. Bah, pas je trop. Je le sens au poids, moi. Pas trop, plus chargé, là. Pas trop, ouais. Pas trop. Mais de toute façon, là, maintenant, parce que le problème avec le miel de colza, là, si tu vois que ça prend un peu trop de vitesse, ah, elles sont pas méchantes. Non, elles ont pas l'air agressives. Ouais. Alors là, voilà. Si... Après, tu vas voir, on va ouvrir un corps, toi, il y a du monde. Hein. Ah, ouais, ah ouais. Bah là, attention, il y a du monde. Hein. Et comment tu sais qu'il y a du monde ou pas? Bah, je le vois. Ah oui, tu le vois. J'ai l'habitude. Voilà. Quoi. Mais là, tu vois, ça a chargé non, sans a trop. Elles sont... Je me demande même si elles sont pas en train d'en descendre. Pour justement. Pour parce se que... protéger pour l'hiver. Pour la famine, ouais. Tu vois, là, il n'y a rien. Il n'y a que dalle, il est vide. Ah, j'ai vide. Ah, bah attends, elles n'étaient pas toutes populeuses, toutes puissantes. Hein. Mmh. Après, vous voulez ouvrir ce corps-là, par exemple? Attends, on va l'ouvrir, moi, je m'en fous. Hein. Bouge-toi. Attention. Voilà. Là, donc tu prends ta housse, tu la fous. Ah oui, d'accord. Tu prends ta housse, tu la fous sur le côté. Là, il y a du monde. Là, tu fais redescendre. Attention de ne pas vous faire quand même éreinter si ça va pointer là, si ça prend. Comme ça, elle va mourir ça. Hein? Elle va mourir là. Qui c'est qui va mourir? Là. Ah non, elle va pas mourir. Ça les calme, c'est tout. Elle se gorge de miel. Voilà. Et là, après, alors on commence toujours par les rives, hein, d'accord? Parce qu'on a moins de chances d'abîmer la reine. Ah ben, tu vois, là... Là, il y a du monde. Hein. Bon, il y a du monde, non, pas trop. Non, pas elles n'ont pas encore, tu vois, elles sont seulement en train de tirer. Il y a de la jeune abeille. Car tu vois un bourdon, là? J'en vois un, là, au milieu, là, par là. De temps en temps, elles se regroupent ensemble. La jeune abeille. Elle le voit, le bourdon. Ouais, ouais, je le vois. Là. Voilà, il est plus gros, plus trapu. Ouais, ouais, il ouais. a la tête... C'est quoi, c'est la reine? Non, c'est un bourdon. Bourdon. Là, tu peux le prendre. Ah Non, faut que... Eh, reste calme, la poulette. Hein. Il va falloir couper une trouille. Voilà. J'ai posé. Voilà. D'accord. Après, tu continues. Alors là, bah là, tu poses ton cadre. Hein. Attends. On a un peu pris, là. Tu poses ton cadre. Fais attention. On commence toujours par les rives parce qu'on a moins de chances de... Ah, celle-là, elle est pleine. ...d'abîmer la reine. Ah, il y a beaucoup. Alors là, il y a de la réserve. Il y a de la réserve, il n'y a pas de couvain encore, d'accord? C'est, je voudrais te montrer du couvain. Là, il y a de la réserve, plein de réserves. Tu vois, c'est bon, ça c'est bon. Il y a de la réserve, et regarde, tu vois ce que tu vois là? Du pollen, là, regarde. Tu vois, tu as du pollen de toutes les couleurs. Alors des fois, pas beaucoup, mais il y a du... Tu vois encore des faux bourdons là, tiens, regarde. C'est eux qui cochent la reine là, tu vois? Ouais, d'accord, ok. Et puis beaucoup de jeunes abeilles, ça c'est bon, tu vois, c'est une ruche qui respire quoi. Elle n'est pas trop populeuse, hein. Il y a des ruches beaucoup plus populeuses. Hein. Tu vas voir là-bas, j'en ai deux, trois, les premières, là, elles pètent du feu de Dieu. Hein. À moins qu'elles aient s'aimer. Oh putain, regarde, ça c'est plein. Voilà, alors là, Christian, regarde bien. Là, tu as de la ponte. Là, c'est bien. Alors ça, c'est du couvain mâle, d'accord? Plus en bosse, là, d'accord? Tu le reconnais? Et là, c'est du couvain normal, tu vois? Alors, c'est pas une reine puissante. Pourquoi? Alors, je voudrais... Mais attends, est-ce qu'il y a une reine par cas? Non, c'est une reine pour toute la ruche. Pour toute la ruche. D'accord, ok. Pour toute la ruche. Alors là, déjà, on a du couvain qui est quand même assez serré, tu vois? Pas trop, hein? Ça pourrait être une plaque de couvain complètement pleine, hein? Tu vas voir, il y a des ruches plus populeuses, hein? Ouais, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Enfin, pour moi, c'est impressionnant. Bah, pour moi aussi, tout le temps. Oh la vache, elle est pleine aussi pour moi. Ah, elle est pleine, non, pas de trop, tu vois. Il y a du couvain mâle, il n'y a pas de couvain. Il n'y a pas de couvain, il n'y en a pas tant que ça, là, tu vois. Couvain, qu'est-ce que c'est que tu appelles couvain? Les larves. Les larves. La ponte, quoi, si d'accord, tu veux. Okay. Plus tu as de ponte, plus ça veut dire que la ruche, la reine, elle pompe du feu de Dieu et que. Tiens, là, du couvain. Et du couvain, regarde. Alors, tu vois, regarde les jeunes larves, là. Tu les vois, là? Là. Ah, je les vois dans les trous. Tu vois, c'est pas operculé encore. Non, c'est plus jeune. Mais là, on les voit, là. Je vois pas, pas par là. Je vois pas... Non, ça, c'est operculé. Elles vont pas tarder de naître. Là, t'as une abeille, là, dedans, là, toi. Ah oui, oui. T'as une larve, et après, t'as une abeille formée, tu vois. Donc là, il y a plein d'abeilles, là, qui sont là. Bah là, ouais. Et tout ça, ça va être de la future abeille, là. Tout le couvain operculé. Tu les vois, les larves, là? J'en ai percé une, là. Et là, voilà, là t'as un peu de pollen autour, c'est un bocade ça, tu vois. T'as du couvain mâle, regarde, tu vois. Ça c'est du mâle. Alors le mâle il est en haut.
Il est en bosse. Il sort en bosse, voilà. Ouais, c'est un peu de réserve, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de réserve, tu vois. Il n'y a pas trop de réserve, tu vois. Voilà. T'as vu, elles sont gentilles. Ah, c'est super. Elles sont pas agressives. Hein. Non, quand tu sais t'y prendre, hein, elles sont pas agressives. Attention, hein, tu peux avoir des colonies, toi, puis tu vas dire, oh putain, ça n'a rien à voir avec celle à Bruno. Hein. Il y a des pins, tu vois, il y a du couvain partout, tu vois. Alors la reine est sûrement par là, hein, mais où Si tu arrives à m'en trouver une, que je vois la différence entre une reine et une abeille. Ah bah elle est beaucoup plus longue, elle est belle, elle est différente, mais c'est pas sûr que je puisse t'en trouver. Bah oui, parce qu'elle est dans quand elles sont marquées, oui. Dans le cas, tu vois, un faux bourdon, mais des faux bourdons, il y en a, tu vois, lui, tu peux le prendre. Lui, tu peux le prendre à la main, il va jamais te piquer, hein. Même à la main normale. Hein. Ah, mais là, bon, à la limite, tiens, tu vois. Je le vois là, il est là. Oui, voilà. Bah, t'en as plein, hein. T'en as plusieurs, hein. Et tu vois, là, t'as du couvain. Fermé encore, tu vois. Mais on voit pas de jeune ponte. Du couvain frais, debout, de la toute petite larve qui vient d'être pondue, tu vois. On n'en voit pas. Mais là, c'est quoi? C'est pas des larves qui sont pondues, les petites larves? Si, si, ça, c'est du couvain qui est pas encore fermé. Qui est pas operculé. Operculé, c'est ça, la petite operculée. Operculé, c'est, voilà. Il est prêt à naître, operculé. Il va naître dans pas longtemps. Tu vois, voilà, encore des belles plaques de couvain, tu vois. La reine, tu vois, elle pourrait être là-dessous. Elle pourrait être là-dessous parce que il y a du monde. Elle a cache, tu vois. Ah, il a planque. Elle a planque. La reine, et puis la reine, elle va vite. Hein. Mmh. Elle se balade. Dès que tu la mets au soleil, comme ça, vroom, elle repart de l'autre côté. Hein. Ouais. C'est la reine, quoi. Hein. Ah, tu vois, elles sont pas. Elles sont pas agressives. Pas du tout. Hein. Oh, bordel, c'est plein maintenant. J'ai le doigt coincé. Il y a du monde quand même, hein. C'est plus que les autres, là. Oh la vache, là, elle est pleine. Ah bah après, t'as des ruches populeuses. Tu vois, regarde, le couvain est pas trop espacé. T'as du pollen. Mmh. Le pollen, c'est pour les nourricières, hein. Elle redonne ça à manger aux larves. Donc, c'est une ruche qui se porte bien, quoi. Ah, tu vois. Ouais, en pleine putain, santé. On va avoir de la photo, voyons. Notre journaliste, dis donc, elle y croit, hein. Tu vois, voilà. C'est beau, hein. Ah, c'est splendide. Putain. Voilà, bon, on referme mes cocos, ouais, pas besoin. Alors attention, là c'est important. Écoute bien ce que je vais t'expliquer. T'inquiète, j'ai les oreilles qui sont tous couvertes. Pour plus tard, il faut toujours que tu remettes dans le même sens. C'est ce que j'allais dire. La première que tu as retirée, elle est là-bas. Voilà, je fais toujours pareil. Voilà, je fais toujours pareil, donc tu vas voir. Tu as pris ton habitude et tu sais. Voilà. Après, regarde, tu peux faire ça. Quand tu es débutant, des fois, tu as peur de retourner les cadres. Tu sais que ça, c'est sur la planche d'envol, ton trait. Là. Ah, d'accord. Donc, okay, ton cadre, tu le remettras dans le vrai sens, tu vois, dans le... Oui. Voilà, oui. Parce que faut pas trop... Faut la retourner. Faut pas... C'est pas bon. Mais puis ça pue où ils en sont. Ouais, puis... Elles ont tout un repère. C'est pas que ça les fait chier, mais elles ont tout un repère. Après, tu peux retourner un cadre, ça va marcher. Hein. Les cadres de hausse, tu peux faire ce que tu veux. Je vais t'expliquer après quand... Une hausse, ça se remplit. Voilà, après tu remets en place. Alors faut y aller doucement parce que si la reine elle est par là, qu'elle a pas le temps de se sauver, que tu la butes, il y en a qu'une. Hein. Si tu la butes, la ruche elle est orpheline. Hein. Donc après, il faut qu'elle refasse des cellules royales. Alors là, il n'y a pas de cellules royales, tu vois. Donc ça n'a pas envie de se sauver. Voilà, c'est. Après, j'étais pas venu pour voir les cellules royales, j'étais venu pour voir les hausses, si ça remplit ou pas, si c'est bon à extraire ou pas. Et là, il va falloir que je les sorte, je vois que ça commence à cristalliser. Alors là, tu vois, elles sont en train de cirer le cadre. Ça, c'est une cire, mais elles sont en train d'operculer. Elles sont en train de mettre du miel dedans pour... Non, elles construisent ça pour pouvoir, pour que la reine, elle ponde. Pondre et faire des petits. Voilà. Et puisse remplir sacré en... Sacré boulot. Donc, je mets une grille à reine. Mais des fois, j'en mets pas. Parce que l'autre fois, ça avait du mal à y aller. Il y avait fait trop froid, trop d'humidité. Ça avait du mal à y aller, tu vois. Alors voilà. Bon, alors attends, on saute à l'autre. On regarde un peu. On va tout prendre. T'as tourner. Gardé le. Ouais, tiens, tu veux le tenir. On va tout. Celle-là, je crois qu'il y a rien. Là, il y a un problème. J'ai passé trop. Là, ce truc là. Il est trop collé à. Ah oui, sur la là, de toute façon, il faut que je le vire. Non, mais là, il y a un problème. Allez, que. Il y a, mais. Ah non, il y a du monde, hein. C'est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ouais, non, c'est tranquille. Hein. Ça a dû, ou alors ça a essaimé, je sais pas. Oh, c'est pas violent. Ça, c'est pas... En fait, ça... C'est beau, ça. Ouais. Tu vois, je vais donner... Là, tu vois, c'est... Ça... Même pas rempli. Non, tu vois, ça, c'est... Ça, on va pouvoir la virer. Celle-là, faudra presque la nourrir.
tu vois. On peut regarder en dessous si on veut, cette histoire de voir. Ah oui, bien sûr. C'est pour moi. Mais... Et ça, pour le retirer, tu fais comme ça alors. Voilà, tiens, bah vas-y, tu décolles avec ton petit tournevis, tu décolles, vas-y, prends-le, tu vois. Non, non, là, du milieu, regarde, comme ça, tape, tape et tu le soulèves. Ah, au milieu, merde. J'ai mal fait la démonstration. D'accord, ok, non, j'avais compris. Ok, ouais, d'accord. Et là, tu examines ton cas. Mais il te faut l'autre quand même pour le décrocher. Ah non, non, même celui-là, je suis là. Ça, c'est du miel, là, tu vois. Ah oui. Le miel, là. Là, le miel, là, tu peux le manger, là, tu peux lécher. Enfin, tu bouges pas ta combinaison pour l'instant, on mangera après. Ouais, il est bon, c'est le même que l'autre. Hein. Là, il n'y a rien, là. Ça, c'est zéro, ça. Elle n'a pas produit grand-chose. Elle. Non, zéro. Elle n'est pas, bon, pas populeuse ou il y a quelque chose. Tiens, je te redonne ça. Ou alors, il y a, elles n'arrivent pas à décoller, à revenir comme elles veulent. Peut-être aussi. C'est pas... Ça les aide pas. Disons, voilà, c'est ça. Bon, là, déjà, je vois de la jeune abeille. C'est pas inquiétant, je vois de la jeune abeille. Comment tu vois que c'est des jeunes? Oh bah, je le vois, par la taille. Ah ouais. Sinon les autres, elles sont plus grosses, plus différentes. Par contre, toi, elle a l'air d'être plus excitée que toi. Elles sont plus mauvaises, là. Ouais. Quand elles sont moins en nombre, ou si la reine, elle commence à moins produire, ou... Ça les énerve. Elles sont un souci, si tu veux, et là, du coup, c'est plus... Pourtant, t'as vu, il y a de la réserve. Du monde, il y a de la réserve. Il y a de la réserve. Oh, disons, au deuxième code, il y a déjà du couvain. Tu vois, donc la reine, elle doit pondre quand même. Et pourtant, et tu vois, elle monte pas dans la hausse. Elle monte pas dans la hausse. Alors, il y a une raison. Et... Bah, pour l'instant, elle reste en bas. Donc, il faut trouver le motif. Voilà. Bah, des fois, on le trouve pas. Déjà, il n'y a pas de miel. Comment ? Là, il y a pas de miel. Miel là. Regarde, elles ont des réserves là. Le cadre là, tu veux qu'on fasse une photo là ? Regarde, il y a du couvain là. Ça, c'est du miel ça. Ah, ça c'est du miel ça. Et ça. Ça c'est du miel. Ça c'est des réserves, c'est de la réserve ça. Ah oui, c'est là. Ah oui, tu vois leur miel là ? Là, du couvain mâle là, tu vois, très sorti. Et puis là, c'est la caponde. Donc tu vois, il y a rien. Moi quand je vois cette ruche là, je me dis elle est pas en mauvaise santé. Ah non, elle vit bien. Regarde le couvain. C'est beau, hein, une plaque de couvain comme ça. Mais elles montent pas dans la hausse. Oui, elles veulent pas monter, mais ça... moins de fleurs, elles montent pas dans la hausse, elles gardent leur réserve, elles gardent leur force, elles sont pas... Il y a de la jeune abeille, regarde. Il y a du monde, qu'est-ce que tu veux? Elle est pas populeuse, populeuse. Ouais, mais enfin, il y a du monde, elle est pas nulle. Il y a du monde, elle est pas nulle, hein. Non. Ah, c'est super, j'adore. Tiens, regarde, t'as même... Attends, non, c'est du pollen ou c'est... Non, c'est une espèce de pollen. Non, pardon, je voulais te montrer, je croyais... Il n'y a pas de couvain frais, par contre. Voilà, encore. Wow. Tiens, ça, c'est une amusette, tu vois. C'est quoi, c'est là-dedans, elle est ouverte ou fermée? La grosse, là? Ouais, tu vois, il y avait quelque chose dedans. Ça, je l'ai fou. Ça, c'est une cellule royale. En fait, ça, c'est un mauvais... Ça... Attends. Je crois même en voir autre chose, de pas très bien. Attends, je vais t'expliquer. Mais la reine, elle pond des abeilles ou elle pond d'autres reines? Non, c'est toujours, je te l'ai expliqué hier, t'as pas retenu parce que c'est, je t'en dis trop. Et à la base, c'est le même œuf, Christian. Ouais. Et soit elles font un cocon plus gros et elles bourrent de gelée royale, mais c'est le même œuf. L'œuf d'une abeille. Alors qui c'est qui choisit qui ah bah c'est la reine. C'est la reine qui a décidé qu'elle va faire une autre reine ou. Ça, c'était un commencement d'amusette. Voilà, c'est ce que tu me dis, amusette. Voilà. C'est quoi l'amusette? L'amusette, c'est en fait. Alors, faut faire la différence entre. Il n'y a rien là-dedans, c'est une vieille. Il faut faire la différence entre une cellule royale. Ouais. C'est quand le logis est trop petit, c'est pour. Regarde, ça bouge derrière. C'est quand le logis est trop petit pour. Et ça, c'est des amusettes ou des cellules de survie. C'est quand la reine elle commence à moins produire, elles font des cellules de survie ou des... Voilà. Elles peuvent l'avoir fait il y a longtemps, attention. Hein. Tu vois, c'est pas une reine qui est violente, parce que il y a du couvain, mais il est espacé, tu vois. Donc s'il est espacé... Il n'y a pas du monde là-dessous, là? Bah si, peut-être, elle est peut-être là. Elle est peut-être là, mais on la voit pas, tu vois. Je sais pas comment c'est foutu. Elle est plus longue, tu m'as dit. Elle est un peu plus belle. Ah bah quand tu vas en voir une, tu vas pas te tromper. Ah mais on la voit pas toujours. Hein. Encore une cellule.
sur les extérieurs, tu vois. Ah oui, il y en a des trucs comme ça. Elle n'est pas au perculé, donc il n'y a pas de risque, parce que c'est une vieille, tu vois. Quand elles sont fermées, là, t'inquiète pas, je vous dis. Bah, celle-là, on peut enlever la hausse, il n'y a rien. On peut enlever la hausse et lui donner un peu. Ben, lui donner à manger, non, pas forcément. Parce que, attends, c'est pas ça. Pas forcément, Christian. Faut donner à manger que quand c'est nécessaire. Quand il y a de la réserve, quand je vois du cadre comme ça, de la du miel comme ça et tout, t'as pas d'inquiétude. Hein. Elle crève pas de faim du tout. Hein. Elle est un peu en ralentissement, mais elle est pas. Le premier, je la veux pas bouger là non. D'accord. D'accord. Dès que ça, cette ruche là, si ça se trouve, dès que je vais l'emmener dans le tournesol, qu'il va y avoir une grosse mielée, elle va péter du feu de Dieu. Hein. Ah ouais, c'est. Ah bah ça. Là, elle est peut-être un peu en ralenti, mais après. Alors ça, tu vois, c'est beaucoup de boulot parce que ça, c'est de la propolis. Alors ça, c'est il y a ça, c'est dur à gratter. Faut tout nettoyer après. Au karcher. Ça part pas bien. Ça part pas au karcher. Ça part pas si bien que ça. Bon, attends. Voilà. Surtout tu fais bien attention parce que des fois on se gourre, on met le machin quand dans l'affolement, tu sais. Des fois ça va un peu vite et puis elles sont un peu plus agressives ou quoi. Mais là t'as vu, elles sont pas méchantes. Non, non. Et pourtant il y a du monde en dessous. Oui, en plus. Mais attends, on va aller voir une autre là. Non, on les fait chier, on est trop en plus. Hein. Oh, on n'a pas trop l'habitude. Ah, des fois, allez, c'est fini. Des fois, non, on les fait pas chier. C'était celle-là qui était pas plus fin. Ah là, elles peuvent plus rentrer, là, il va être temps qu'on enlève tout ça. Hein. T'as pas une foule qu'on a fait un peu. On a pas le droit. On a pas le droit. Oh, ah, ça peut pouvoir lui enlever trois, là, trois pieds. Non. Bah non, je vais les sortir, Christian. Tu vois, regarde, elles sont pyrogravées. Ah, ça, il y a un caillou, là, il y a un problème. Je sais pas ce que c'est. Tu sais qu'elle est morte. Ouais, tu vois, elle est morte. Enfin, non, elle est morte. Elles ont essaimé, à mon avis. Elles sont parties. Ouais, à mon avis. Oui. Mais quand elles essaiment, la vieille, elle reste. C'est la vieille qui s'en va. C'est la vieille qui s'en va. Bah, alors, mais la jeune, elle reste là. Bah, normalement, elles auraient dû enclencher des cellules royales, mais des fois, ça marche pas. J'ai perdu l'enclenchement à mes enfants. Là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas de monde? On l'a ouverte celle-là? Non, on vient de la faire celle-là. Ah, c'est celle-là qu'on vient de faire? C'est celle-là qui vient de regarder qu'il n'y a rien là, il n'y a plus rien là-dedans. T'es sûr? Ah, bah je crois. Ouais. Non, c'est la veille ça. Non, on n'a pas vu celle-là. Non, on a fait celle-là. Question. C'est la troisième. Regarde. Là? Là, il y a du. Oh non. Non, il y a que. Y a, ça charge, mais. Y a, ça démarre là. Ouais, mais ça, j'ai récolté l'autre fois. Tout le miel que j'ai fait déjà, de printemps là, de le blanc là, tu sais que tu dis qu'il n'est pas trop sucré. Ouais. Ça vient de là. Hein. Attention, c'est la deuxième passe. Hein. Donc, oh vas-y, tu peux. Tiens, je te le décolle, vas-y. Il n'y a rien là, tu vois, c'est que dalle. Ça, faut pas essayer de. Ça n'a pas voulu recharger, il n'y a plus de fleurs, faut les mettre ailleurs. Mais là, de toute façon, je veux les enlever. Donc. Et tu le fais le soir, ça? Oui. Je ferme les portes. Clac, je mets une porte blanche là, je mets une sangle autour. Est-ce que tu fermes le truc d'envol? Ouais, là, en bas. Okay. Ouais. C'est tout. Mais alors, celles qui sont pas dedans, comment j'y ai fait? Ah, ben non, mais le soir, elles sont rentrées. Ah, elles sont toutes rentrées. Ah, le soir, presque la nuit, elles sont rentrées. Allez, on continue. Donc celle-là, elle est nickel. Celle-là, on j'ai fait des choses avant et je suis en train de refaire des essences. Ça c'est lourd. Et tu vois l'enclumeur, il marche toujours. Bah c'est parfait. Tu veux la regarder là? Celle-là. Les enclumes, un peu à l'avance. Ils ont le temps de se gorger de miel. T'as vu? Ah, il y a du monde. Il y a du monde un peu. Mais il n'y a pas trop. Elles n'ont pas trop rechargé, tu vois, depuis l'autre fois. Tout a été récolté. Il y a un petit peu. Ah, il y en a plus. Elles ont rechargé. Elles ont rechargé, mais il n'est pas offert reculé, tu vois. Il sent le miel de colza un peu.
Oh, un petit peu de monde. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a rien à récupérer, par contre. On referme, mes cocos. Il n'y a pas besoin de voir plus, hein, c'est pour la peine. Attends, il y en a deux, trois, un peu plus de zouzous, là, on va voir. Qu'est-ce que tu veux? Ça a déjà été récolté. Maintenant, je viens... Faut leur laisser un peu le temps de sortir. Hein. Voilà. Et puis, il n'y a plus de fleurs, donc elles vont pas se refaire. C'est quoi qu'on a vu, là? Impeccable. Il y a du monde un peu, tu vois. Et puis là, elle a rechargé un peu, tu vois. Elle a rechargé un peu. Allez, les filles, on descend un peu. Tu vois, regarde, ça c'est lourd. Tiens, sous-pèse, mon Christian. Ah oui, tu sens qu'il y a du monde. Tu sens qu'il y a un peu de monde. Là, il y a du liquide. Là, voilà. Ouais. Mais quand c'est très lourd, il y a du peuple. Alors là, faut faire attention quand on aura. Faut pas que t'en fumes trop quand tu récoltes. Ah. Parce que, et tu vois, le cas. Voilà, je voulais te montrer ça. Et là, tu vois, il faut vite le sortir. Parce qu'il commence à se cristalliser, tu vois, il est plus liquide. Mmh. Et après, quand tu le passeras dans le maturateur, tu pourras quasiment plus l'extraire, tu vois. Dans l'extracteur ? Dans l'extracteur, pardon. Dans l'extracteur, tu vois. Parce que ça cristallise vite le. T'as vu comment il devient dur dans les pots? Oui. Là, ça y a beaucoup là. Là, il y en a un peu, ouais, mais il n'est pas operculé. Hein. Donc, c'est la deuxième. Passe. Ouais. Donc, voilà. Après, moi, ce qui n'est pas operculé, après, j'extrais tout pour pas que ça se fiche dans les housses et je leur redonne à manger. D'accord. Ah, ça, c'est un miel. Il faudra que je fasse, tu sais, ce qu'on appelle du pinochage. C'est-à-dire, celui-là, je le prends, l'autre, je le laisse, tu vois. Ah, t'en fais un coup sur deux, quoi. J'en fais, bah non, pas un coup sur deux, mais je prends ce qui m'intéresse. Tu vois. Alors, je me fais une première extraction. Tu vois, ça, c'est operculé, là, regarde. Ça, elles l'ont chargé. Mais elles n'ont pas chargé régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tiré une première récolte. Tiens, soupèse. C'est pas mal. Ah, avec non, beaucoup de jeunes abeilles, tu vois. Oui. Ça, c'est une ruche populeuse, tu vois. C'est une ruche qui pète le feu, quoi. Il y a du monde. Là, il y a du miel, là, regarde. Là, il y a du miel, là. Ah oui, puis je te dis, pour une année merdique, c'est pas mal, hein. Je suis pas aussi mauvais que ça. Je suis content. Tu t'es bien démerdé. Hein. Là, il y a des années, attends. Il y a des années, tu portes la hausse. Comment ça se fait? Elles sont mortes, là? Ouais, c'est possible. Oh, des fois, mon Jean, il est un peu braque, hein. Lui, il ferme, il ouvre, il s'occupe pas. Trop de questions. Il se pose pas de questions, lui, il emboîte. Hein. Moi, je suis un peu plus délicat, mais lui, il faut que ça tourne. Il est pour là pour acheter le fond. Après, c'est normal. Hein. Lui, il a plus le raisonnement, malgré qu'il a pas beaucoup de ruches. Tu vois, il veut faire des reines, tout Il a plus le raisonnement d'un apiculteur. Ouais, lui, veut faire de la prod. Oui, voilà. Lui, il veut faire du miel et puis il veut faire de l'élevage. Mais il faut que ça suive. Il veut que ça avance, voilà. Mais il a raison, hein, c'est un peu comme ça. Moi, je fais ça en amateur. Voilà. Mais lui, il veut faire un peu de production. Tu vois, bah, ça n'a pas rechargé là, trop. Pas grand monde, mais non, ça n'a pas. C'est lourd, il y a de la réserve, mais ça n'a pas rechargé, tu vois, vraiment. Ouais. Tu vois, c'est pas. Mais quand tu mets au soleil, on voit que ça c'est luisant. Il y en a dedans, tout ça, regarde. Il est lourd quand même, là, tout ça, c'est du monde. Beaucoup de jeunes abeilles, moi, ça me fait plaisir. C'est des petites abeilles. Et ça, c'est quoi, des noirs, des quoi, là? Non, c'est de la Birkfast. C'est une race anglaise. Birk, c'est l'oiseau. C'est une race anglaise. Je sais pas, me demande pas, je suis pas trop spécialiste. Oh, tu peux y aller, tu peux soulever si tu veux, tiens. Vas-y, regarde. Hein. Et la dernière fois, on avait déjà fait du pinochage. Ce qu'on appelle du pinochage, c'est piquer 2, 3, 4, de droite, de gauche, tu vois. Alors, voilà, quoi. Là, il n'y a rien, ça a déjà récolté, il ne peut pas y avoir des tonnes. Hein. On va regarder les deux, trois premières. Bon, là, c'est pas la peine d'ouvrir. Est tranquille. C'est pas sale. C'est pas sale, c'est pas... Voilà. Moi, je veux pas des vieilles cires pourries. Il y en a, tu soulèves. Oh là, ils ont des cires noires et tout. D'accord. Moi, quand les codes sont plus vieux, je change. Je te dis franchement, je veux pas bouffer des larves, je veux pas... Tu vois, je fais un miel, je fais gaffe, moi, quand j'ai... Je voudrais pas bouffer ça, donc je veux pas le faire bouffer aux gens. D'abord, c'est pour ça que mes copains ils ont confiance en moi, parce que ils savent que il y a beaucoup là. Ah là, il y a du monde. Il y a du monde. Là, il y a du monde.
Oh, c'est pas. Ouais. Alors, tu vois, là, c'était des vieux cadres. Mmh. Mon premier copain que je te disais, qui avait son fils à Memphis, il avait encore un tas de matériel. Ah, et j'ai gardé parce que. Non, ça, c'est un cadre à talons. Ah, tu vois, il y a un clou. Et là, c'est un cadre qui a été fabriqué, ça, tu vois. Bah là, ça, c'est bon à arrêter. Celui-là, je vais dire, il est vachement long. Ouais. Là, il y a. Ah, tiens, ça pèse, ça. Ça, c'est operculé, ça pèse. Après, tu vois, quand tu veux. Regarde. Pardon. Là, tu vois, tu veux voir ton cadre. Ah, oui, putain, là, tu vois, il est presque bon à récupérer, quoi. Mais, mais encore, il y a du monde. Non, des fois, c'est ça partout, Christian. Hein. Ah, ouais. Des fois, c'est ça plein partout. Hein. Tu vas voir si tu. Bah, tu vas pas voir, tu seras plus là, mais. Ah, non, mais je vais revenir, c'est lui. Ah, ouais, bah, faut venir. Faut venir, hein. Tu viens à la maison de Jean-Jacques et puis c'est tout. Ah bah oui, ça aussi. Bah oui, bah on ira revoir. Hein. Là, il n'y a rien, tu vois, bah non, pas rechargé. Là, il y en a, tu vois, regarde un peu. Mais c'est bien qu'il y en ait un peu, même si c'est pas puissant, c'est bien. Mmh. Moi, maintenant, ce que je vais faire, j'ai vu ce que j'avais à voir, et je vais venir, je vais récupérer ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pas, je vais l'extraire quand même, tu vois, et je vais le redonner à manger aux abeilles. D'accord. Tu vois, voilà. Ça, faut se dépêcher de l'extraire. Ça, tu vois, ça, faut se dépêcher de l'extraire parce que ça, c'est en train de cristalliser dans les cas. Ah, tu vois, ça commence à devenir, tu vois. Normalement, ça devrait couler. Et là, ça coule plus, tu vois. Et il y a plein de jeunes abeilles. Il y a du monde en dessous, je le devine, tu vois. Je m'inquiète pas, c'est bon. Ça, je vais le foutre dans le tournesol, ça va péter du feu de Dieu. Là, il n'y a plus de fleurs. Elles ont faim. Elles ont faim, elles ont de la réserve. Ouais, ouais. Non, elles crient pas famille. Non, parce qu'elles ont quand même un peu. Voilà. Et puis, si t'inquiètes pas, si elles ont pas assez à manger, elles vont savoir redescendre dans le corps ce qu'elles ont mis dans la hausse. Ouais, les réserves. Tu comprends? Elles vont savoir redescendre les réserves. Et tu vois, tout est équipé de bonnes poignées, tu vois. Ouais, ouais, là, tu mets une sangle, hop, t'es parti avec la ruche, quoi, tu vois. C'est du cryptoméria, c'est pas de la ruche trop lourde. Les abeilles, ils passent en dessous ou... Eh ben oui, tu les vois là. Oui, ça rend plein là. C'est la piste d'atterrissage. C'est ici. C'est la plante en vol. Là. Non. Juste là, là. Regarde. Hey, regarde, là, tu vois là, elles ont du pollen là, tu les vois là. Leurs pattes pleines de jaune là, tu les as vues là. Ah, ça, c'est bon quand la reine a rendu du pollen. Il y en avait deux, trois là, elles avaient du pollen. Mais tu vois, ça arrive pas, il y a des fois, ça... Ça y va, mon pauvre. C'est vachement chaud là. Ça, c'est normal. C'est le soleil qui les. Ouais, c'est le soleil. Et puis elle a fait de la chaleur. Tu vois là, regarde. Tu vois là, ce qu'on dit là. Regarde, ça c'est du pollen là. Les deux premières. Ah ouais? C'est celle-là, tu dis que c'est des travailleuses. Non, pas plus que les autres, mais elles étaient bien populeuses. Elles étaient. Mais j'avais bien récolté déjà. Tu vois, voilà. Voilà l'intérêt d'avoir un plastique. Tu vois, les autres, je les ai pas mis, mais voilà l'intérêt. Parce que quand tu es débutant, eh ben, ça t'aide vachement. Débutant ou pas, mais doublement quand tu es débutant. Ah, normalement, Cindy, faut pas se mettre devant la planche d'envol. Ah bon, bah, là, c'est pas grave. Non, mais là, c'est pas grave. Mais quand c'est très populeux, si tu te mets devant la planche d'envol, tu risques plus de te faire piquer, tu vois. Ah, tu fais chier, là. Oh, tu les fais pas chier, non. Tu les fais pas chier, mais tu... Voilà. Alors là, moi, je décolle un peu le truc, tu vois. Je commence à dire, voilà, j'arrive. Oh, c'est moi, tu vois, j'arrive. Tu vois, on voit une ruche qui se porte bien, regarde. Ah ouais, regarde le montier. J'avais tout récolté, là. J'avais tout récolté, il y avait zéro miel, j'ai mis une ruche vide, complètement. Elle est plus vide. Regarde, elle est plus vide. Ça fait 15 jours que j'ai récolté. 15 jours, presque 3 semaines, je crois. Tu t'imagines, en 15 jours, regarde ce qu'elles ont rentré. Soupèse-moi ce code-là. Et quand tu les récoltes, t'emmènes la ruche pour récolter. Non, juste la hausse. Je nettoie cadre par cadre, je ramène une autre hausse vide, je balaye. Il y en a qui le font au souffleur, il y en a qui le font... Il y en a qui foutent la hausse sur champ, les apiculteurs, tu parles, le mec qui a 400 ruches, il en récolte 40 d'un coup. Il met la hausse sur champ et au souffleur, hein. Faut qu'elle dégage de là, hein. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je balaye avec une balayette, tu vas voir. Je vais te montrer. Et tu vois, ça a rechargé, là. Ça a rechargé. Celui-là, pas de trop. Mais il y a du miel quand même. Oui, non, mais des fois, ils sont lourds, tu verrais. Des fois, ils sont lourds, tu vois, et puis bien operculés. Elles n'ont pas eu le temps d'operculer parce que, si tu veux, le champ, il commençait à défleurir, quoi. Et regarde, et c'est beaucoup, là. C'est une pure merveille, ça. Là, tu vois, regarde.
ça c'est operculé presque en entier. Ah, ouais, ouais. Ça c'est bon, hein, ça on récupère. Là on va récupérer encore, je suis sûr, sur la quantité de 3 hausses. De 3 hausses on fait, allez, peut-être 20 kilos avec de la chance. Ah bon, 20 kilos, mal, attends, hein. Ça fait du pot mine de rien. Bah, tiens. C'est, il n'y a pas toute la quantité là. C'est une petite partie du rucher. Hein. D'accord. 20 kilos. Bon, tu me diras, j'en ai à Saint-Mauré, où je fais d'habitude le super miel toute fleur, là, celui que tu as dit qui était bon à la maison. Ah ouais, là. Ouais, ouais. Elles sont chez ma fille. Elles sont chez ma fille à Saint-Mauré. Là-bas, j'en ai 5. Elles n'ont rien fait du tout. Mais pas. J'ai pas ramené un pot de miel. Ah, rien que dalle. Elles ont descendu la hausse, elle est neuve. Elle est vide. Tu vois, les salopes, quand elles veulent. Tu as réfléchi pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de fleurs. Parce que tout a gelé. Ah oui, d'accord, il y a du fleurs. Ils sont au bord de la route chemin de fer, comme moi. Et ça, c'est des haies comme ça. Mmh. Et quand c'est le moment, Christian, c'est à même de petits arbustes tout blancs. Et là, il n'y avait rien que dalle. Tu vois, ma mère, mon genre, il est pas venu. On va faire un peu. C'est tout le monde qui est en hani. En 15 jours. Ah, il y a un arbre qui est en train de blé. Ah, ça a été là, maman. Ginagawang naman tawag dyan, oil. Oh, ito yung ginagawang oil. Tapos dito sila nag-install nung mga box-box na to na binabahaya ng mga bi la, ayan, dami-dami ng honey. Ayan. So, ito naman yung mga ble. Oh. Ayan. Ayan yung car doon na hindi ko makita kasi maisan. Tsambahan na lang yung aking pagbibideo. So, ayan. Bali, tinignan namin lahat-lahat ng box na to. Ah putain, j'ai pas fait gaffe là. Non, c'est pas grave là. C'est pas grave parce que c'est la hausse, c'est les autres en dessous, faut faire très attention. Mais je fais toujours de la même manière, donc si tu veux, je peux pas me perdre. Attends, je fous tout ça. Tiens, mets ça par toi, vers toi, t'auras plus de place. Alors là, il y a une petite ligne, regarde ici. Ça aussi. Ouais, ça sert à ça, mais. Il est collé, il est propriétaire. Hein. Là, tu pivotes un peu comme ça. Quand on, voilà. Comme ça, si tu veux. La grille, c'est quoi? De toute façon, la grille, il n'y a rien. Ça, c'est la toile de ciment, tu récupères la. Comment tu récupères? C'est cette toile que tu récupères. Mets le cadre à plat. Ouais. Par terre, comme ça? Oui, non, mais au contraire. Comme ça? Voilà, ouais. Bouge pas, tu vas comprendre. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Ça là, comme ça, tu ne crosses pas trop d'abeilles. D'accord, oui, c'est là. C'est oui. Dans ces cadres-là que tu récupères le miel. Et ça, tu le laisses pour les. Mais tous les deux semaines. Comment? Ah non, des fois. Quand il vient voir. Deux mois, des fois. Je pense. Ah non, pas toutes les deux semaines. Tu viens souvent les voir, oui. Mais tu récoltes pas du miel toutes les deux semaines. Ah, d'accord. C'est, ça dépend. Hein, c'est, s'il y a de la fleur, tu vas récupérer beaucoup. Mm-hmm. S'il n'y a pas de fleur, ça va être long. Des fois, tu dis, putain, elles ne vont jamais monter dans les hausses. Hein. Ah bah ça, si elles veulent pas, elles veulent pas. Ah la vache. Oh, il est bien. Oh là, c'est beaucoup. Ah, oui, alors là, ça c'est leur garde blasée. Voilà. Mmh. Elle bouffe, là tu récoltes rien. Que un cadre de pollen, là, tu vois. Un cadre de pollen, du faux bourdon à Roisse. Elle vous pique pas là aussi? Si. Ah. Tiens, fous-moi un coup d'enfumoir là, vite fait. Non, recule, hein, écrase là. Mais elle est dans ma chaussette là. Ah bah vas-y, écrase là. Voilà, écrase là. Elle t'a piqué? Ouais. Ah, ça. Ça, c'est l'inconvénient des fois quand on. Encore beaucoup, non. Recule. Ouais, bah tu recules, t'as plus de quoi te sauver, alors de toute façon, en même temps. Je vais fermer. C'est pas grave. Je vais fermer. Ah, j'ai vu que ça t'avait piqué. J'avais qu'à mettre des bottes. Très mal. Ça pique? Un peu, ouais. Ça m'a réveillé, si j'avais le temps. Après, on va dormir, là, ça m'a réveillé tout de suite. Ouais, je l'ai vu qu'elle s'agaçait, tu vois. Ouais. Je l'ai vu qu'elle était un peu plus. T'as la chance, Christian. T'as la chance. T'as la chance. Il est chargé, là.
Un cadre complet de pollen. Tu le vois? Regarde, un cadre complet de pollen. Tout, ça c'est beau. Hein. Ah bah c'est d'ailleurs du métier, hein, mon Christian. Bah ouais, je sais. Ça désolé. Hein, oh, il est beau celui-là. Pas mal. Hein. De pollen. Encore du pollen. Pas trop de couvain, tu vois. Ça c'est beau, mais moi je voudrais qu'il y ait du couvain. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Zine? Elle est orpheline ou colline là? Elle s'agace là. Ah pourquoi? Non, il n'y a pas de couvain, tu vois, il n'y a pas de ponte. Ça c'est chiant. C'est juste à la maison. Ça aurait bien essaimé. Il y avait des cellules de. Ça aurait bien essaimé parce qu'elle était peut-être un peu plus haute que ça. Là, il y a des cellules de sûreté. Là. C'est long, non, c'est hein, ça fait une vidéo. Tu vois ce que j'appelle cellule de sauveté de... Regarde. Ouais, je vois ça là. Mais là, tu vois, elle s'agace. Hein. Elle était très populeuse. Celle-là, ouais. Mais... Elle est nerveuse, tu vois. Ouais, tu sens que ça bouge là. Oui. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup. Ah là, il y a du monde. Il y a du monde. Attends, j'en soulève encore un. Là. Je voudrais voir s'il y a du couvain quand même. Ou rien du tout, c'est bizarre. Ça, c'est une ruche puissante. Oh putain, elle est pleine. Elle est pleine. Elle est pleine. Ah non, il n'y a rien. Y a... Enfin, elle est pleine d'abeilles. Ah oui, oui. Plein beaucoup de faux bourdons. Plein d'abeilles. Ah, t'as des faux bourdons aussi. Il n'y a pas de le miel. Tout ça, c'est du faux bourdon. Il n'y a pas de le miel. Ah, toutes ces grosses. Oui. Ouais, sont grosses. Là, tu peux le prendre à la main, il piquera jamais, lui. Ouais. C'est un faux bourdon. Il n'a pas les yeux de la même manière. Il n'a pas de couvain. Aucun. La reine, on dirait qu'elle ne pond plus. Ou alors, elle est borrée. D'accord. Il n'y a pas de couvain, aucun couvain. Alors là, il faut arrêter de défaire les cellules royales. Celle-là, il faudra y remettre du couvain frais. Pour qu'elles essayent de faire une cellule de... Soit ça a essaimé, soit il y a eu quelque chose. Je sais pas quoi. Et tu vois, je l'ai vu parce que tu sais pourquoi? Non. Elles sont pas, elles se comportent pas de la même manière. Ah ouais, elles sont plus... Ouais, vous, peut-être que vous le sentez pas, mais moi, direct, je le vois. Ah mais elles sont plus nerveuses. Hein, plus par nerveuses, rapport, ouais, tu vois. Par rapport on aux voit, autres, ça, ouais. Elles bah d'ailleurs, la salope, elle était dans cette ruche là qui m'a tué. Ah ouais. Replace, hein. D'accord. Alors, attends. Quand des fois, je vais te montrer un truc qui va te servir, si t'en as. Quand des fois, t'ouvres une ruche comme ça. Mmh. Et tu sais pas pourquoi, tu t'y attends pas. Et d'un seul coup, putain, elles ont un comportement. Tu le vois, elles changent de bruit, elles sont beaucoup plus méchantes, agressives, elles veulent sortir, tu vois, un peu comme là. Alors là, dans ces coups de temps-là, t'en fumes, t'as l'enfumoir d'une main, et tu refous la plaque dessus, tu vois. Ah d'accord, tout de suite, ça t'es pas emmerdé. Voilà. Ça va les calmer. Si ça. Tu veux, tu refous la plaque, hop, direct, ça se ralentit. Ça va les calmer, ça. Ça se ralentit, tu laisses un peu se poser, et hop, tu rouvres, tu re-enfumes encore. Et tu rouvres. D'accord. Et là, tu oui, tu rouvres, c'est pas si ça se dit. Tu, bah oui, tu rouvres. Tu fais ça par étapes, quoi, tu vois. Parce que il y a des fois, c'est trop pour elles. Regarde comment qu'elles sont. Regarde où qu'elles sont. Elles sont tout en bas, là. Regarde devant la ruche. Ah oui. Regarde. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois. T'as vu, aucune autre, on a fait ça. Non. Et tu vois, là, ça s'agace parce qu'il n'y a pas de couvain. Est-ce qu'il n'y a plus de reine? Est-ce que la reine est borrée? Est-ce qu'elles sont en train d'en faire une autre? Je sais pas. Là, affaire à suivre, il faudra que je revienne voir ça. Tu vois, les autres, elles m'inquiètent pas. Celle-là, alors qu'elle était très populeuse, elle a fait beaucoup de miel. Mais celle-là, là, il y a... Il est dans un centre psychiatrique. Presque. Peut-être pas quand même. Et, voilà. Et alors là, c'est hyper étonnant, c'est que dans la hausse, il y a... Ah si, il y en a quand même. Un peu quand même. Ouais, il y en a quand même parce que j'avais mis des câbles non cirés, elles ont déjà travaillé. Regarde, ça c'est plein. Ça c'est plein, Christian. Ouais, c'est pas. Parce que j'avais mis des cadres, on avait remplacé comme on avait enlevé des cadres, tu vois. On a fait du pinochage, tu vois. Faut savoir ce que j'ai fait avant, tu vois. Et du coup, comme j'avais. Quand je dis du pinochage, c'est que j'avais. Si tu veux, piquer de droite de gauche, tu vois, d'accord, les cadres qui m'intéressaient. Alors j'en avais remis des neufs, quoi.
Voilà. Et ben c'est un sacré boulot, c'est sympa. C'est sympa, hein. C'est bien, hein. Ah bah j'adore. Et là, elles vont rentrer après. Ah bah après, tu t'en occupes pas. Tu vois pourquoi tu t'es fait piquer? Des fois, il y en a par terre. Ah, j'ai peut-être marché sur une. Non, mais même pas. Mais comme elle monte, quand t'as justement pas. Ah bah t'as trop... des bottes. Voilà. Si t'as des bottes. Ah bah là, il y a 3 cm. Nous, on ma chaussette, tu peux elle te pique. C'est pour ça que je préférais que Sandy ait ses petites bottes, parce que des fois, tu vois, voilà quoi. Mais bon, là maintenant, ça, faut retirer ça. On va foutre ça au pied d'un champ de tournesol. Et puis quand le tournesol il va s'ouvrir, tu vois, il y aura de la fleur partout, ça va y aller. Hein. Bon, je vais pas vous... Ah, c'était génial. Voilà. Merde, c'est con, tu vois, j'aurais aimé dire à ta femme zéro piqûre, on est des pros. Ah ben... Bah si, non, mais attends, tu vas te piquer de vous. Attends, on t'en a dernière. Hein. Si, ça va? Oui, ça va. Rick, oh fuck, c'est trop mal. Barré avec la fille. Et pour pouvoir ouvrir les carreaux, hein, enfin rouler les glaces ouvertes quand c'est parti. Sinon, elles poursuivent et elles veulent te bouffer les saletés. Hein. Ah ben ça, il y a des fois, tu comprends pas. Et on a tapé sur la caméra. Attends, tu verras quand même. Pa uwi na kami, nakagat ako isang beses ng bi. Sa masakit. Masakit ang kagat, buti isang beses lang. Ayan, naghubad na kami ng aming damit protection, ayan. Pabalik na uli kami sa bahay. So, thank you for watching. Bye-bye.